De mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Jésus soutient ma foi. Christ est la vie. C'est la vie. Recherchez mon âme. Seigneur, Seigneur, soutient ma foi. Christ est la vie. Recherchez de mon âme. Amen. Ma foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Téléspectateurs de l'MTV, nous voulons vous saluer dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous saluons votre engagement pour la prière. Vous savez que la prière est notre respiration. On ne peut pas se passer de prier. Nous devions toujours prier. Et dans ces temps les derniers, le peuple de Dieu est invité à prier. Nous vous encourageons, bien-aimés, à prendre à cœur de tels moments devant vos petits écrans. Alors, soyez dans une attitude de prière, de communion avec le Seigneur, parce que Dieu veut nous faire encore du bien. Nous lisons ce texte qui va nous servir de conducteur dans la prière. L'évangile selon Luc, le chapitre 24. Luc chapitre 24, nous lisons à partir du verset 13. La lecture va paraître un peu longue, mais il y a une seule pensée que nous allons retenir qui va nous aider à prier pendant ce moment. Lisons donc à partir du verset 13 de l'évangile selon Luc au chapitre 24. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues du grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils étaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est dans son déclin. » Il entra pour rester avec eux. C'est le verset 28 qui va nous intéresser, où il est dit, « Il parut vouloir aller plus loin. » Et il y a un « mais » qui vient après. Bien-aimé, c'est cela le thème qui va nous motiver à ce temps de prière. Allons plus loin avec le Seigneur. Nous voyons ici donc que les disciples ici nommés, les disciples du chemin d'Emmaüs ont le privilège d'avoir la compagnie du Christ ressuscité. Il est dit qu'à cause de tout ce qui s'était arrivé, leurs yeux étaient empêchés de le voir. Et Jésus donc va parler avec ces personnes, leur expliquant beaucoup de choses, ce qui va d'ailleurs les marquer fortement. Et au verset 28, il dit, « Il parut vouloir aller plus loin. » Alléluia. Il parut vouloir aller plus loin avec eux. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes donc invités en ce temps de prière à désirer aller plus loin avec le Seigneur. En effet, Dieu désire aller plus loin avec nous. Amen. Mais très souvent, nous choisissons de nous arrêter. Ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, eux avaient décidé de s'arrêter là où ils étaient arrivés. Pourtant, le projet que Jésus avait, c'était d'aller plus loin avec eux. Bien-aimés, frères et sœurs, la marche donc avec le Seigneur est une vie où l'on doit toujours chercher à progresser. Il faut toujours chercher à progresser avec Dieu. Il nous faut, bien-aimés, nous porter en avant. Tant que le maître n'a pas dit qu'on s'arrête, nous devions continuer. Amen. Parfois, beaucoup de choses nous arrêtent dans notre élan. Beaucoup de choses nous arrêtent dans notre marche avec le Seigneur. On peut citer la fatigue, le découragement, les difficultés de la marche, les épreuves, les attaques de l'ennemi, les circonstances non souhaitées, etc. Beaucoup de choses nous arrêtent, mais le plan de Dieu, le Seigneur veut que nous allions plus loin avec lui. Nous allons vous inviter, chers bien-aimés, à prier le Seigneur pour que Dieu nous donne d'aller plus loin avec lui. Amen. Alléluia. Il parut vouloir aller plus loin, mais malheureusement, ils se sont arrêtés. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Alléluia. Plus loin avec toi. Oui, Seigneur, aide-moi à aller plus loin avec toi. Je veux y aller. Prions dans cette marche ici-bas. Donne-moi avec toi de progresser. Donne-moi de me porter en avant. Donne-moi un nouveau élan, Seigneur. Plus loin avec toi. Que rien ne puisse m'arrêter, Seigneur. Car tu es mon refuge, au nom de Jésus-Christ.
Merci, Jésus, de m'encourager au travers ces paroles. Moi, je veux y merci aller. Merci de m'avoir donné de te connaître, toi plus le ressuscité. Avec toi. Merci de faire chemin avec moi. Je veux y aller. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter en chemin. En plus si bon loin chemin. Avec toi. Quel que soit ce qui peut advenir. Je veux y aller. Je veux aller plus loin avec toi, plus Seigneur. Loin avec toi. C'est pourquoi je viens à toi. Car tu es mon refuge. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens me galvaniser, car tu es mon refuge. Viens m'ordonner de ne pas m'arrêter. Tu es mon je refuge. Refuse de m'arrêter. Je refuse d'être stationné. Je veux aller plus loin. Puisqu'en toi, je veux aller plus loin. Dans le service de Dieu, je veux aller plus loin. Dans ma marche, je veux aller plus loin, Seigneur. Dans ta connaissance, je veux aller plus loin. Dans mon expérience avec toi, le Christ ressuscité. Prends-moi d'aller plus loin. Seigneur, ne m'abandonne pas. Prends-moi, Seigneur. Je veux aller plus loin, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Dans tes élus, d'aller plus loin. Dans la tête du Sud, d'aller plus loin. Dans tes serviteurs, d'aller plus loin. Dans l'église, d'aller plus loin. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Dans le monde, d'aller plus loin. Je veux y aller. Ce désir d'avancer, je veux y aller. Anime notre cœur. Emmène-moi où tu veux. Ce désir d'avancer, Seigneur, je veux y aller. Aide-moi à avancer. Emmène-moi où tu veux. Tu as dit à Pierre, avance à notre profondeur. Donne-nous d'aller dans la profondeur. Emmène-moi. De notre relation avec toi. C'est notre marche avec toi. Je veux de notre expérience avec toi. Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux y aller. Il fallut vouloir aller plus loin. Où tu veux. Car tu es. Car tu es mon refuge. Aide tes élus. Aide tes enfants. À se porter en avant, à aller plus loin. Oh mon Dieu, merci. Nous allons prier, cher Dieu. Tu es mon refuge. Nous allons prier. Car tu es mon refuge, ô Père. Nous allons prier. Nous devions ainsi donc être animés de cette ambition d'aller plus loin, de dépasser nos limites. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de dépasser mes limites. Ses disciples, sur le chemin d'Emmaüs, leur limite, c'était ce village. C'est là que tout s'arrêtait pour eux. Leur marche avec Christ s'arrêtait là. Nous devions dépasser nos limites. Nous devons dépasser tout ce qui nous freine. Bien-aimé, qu'est-ce qui a freiné ta marche avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a empêché ta progression avec Dieu? Toi qui avais si bien commencé. Tu avais commencé une marche merveilleuse. Une expérience merveilleuse avec Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Nous allons prier, bien-aimés, pour que toutes nos limites soient brisées. Que ça, si c'est la fatigue, le découragement, les difficultés de la vie, les difficultés de la marche chrétienne, parce que ce n'est pas parfois facile, les épreuves, les attaques du diable, les circonstances non souhaitées dans cette marche, il y a certaines choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas programmées qui arrivent. Et quelquefois, ces choses nous arrêtent. Alors que le Seigneur, son désir est d'aller plus loin avec nous. Bien, nous allons prier pour que tous ces freins à notre marche soient brisés sur notre chemin. Élevons la voix, prions le Seigneur. Les frustrations, les découragements, les problèmes de la vie, les attaques de l'ennemi, les circonstances non souhaitées,
Prie ton Dieu, bien-aimé. Je veux aller plus loin. Oh mon Dieu, merci. Avec toi. Merci de me donner d'avancer. Je déclare que rien ne m'arrêtera dans cette marche. Je veux je refuse d'être freiné dans ma marche. Je veux aller. Ni le décourager. Ni les problèmes de la vie. Avec toi. Ni les problèmes présents. Ni les attaques avec du diable. Toi. Ni le monde. Je ni veux les plaisirs. Ne m'arrêteront dans ma marche avec toi. Oh, oh Seigneur. Je veux aller au-delà de mes limites. Je veux franchir mes limites. Je veux dépasser mes limites. Je que tout ce qui me freine, toute obstacle, toute barrière soit brisée sur mon chemin. Bien-aimé, il faut que tu avances avec Jésus. Avec toi. L'objectif n'est pas de s'arrêter aussi mon chemin. Va plus loin avec Dieu. Plus loin dans ta connaissance de Dieu. Plus loin dans ton expérience. Va en profond. Plus loin dans ta communion avec le Seigneur. Je veux aller plus haut. Oh Seigneur. Je veux aller plus haut. Oui, demande d'aller plus loin, plus haut. Je veux aller plus haut. Demande d'avoir une vie, le sommet, une vie de hauteur. Demande de gravir le sommet. Je veux aller plus haut. Dans cette marche avec toi. Dans ton œil, dans ton service. Je veux aller plus haut. Seigneur, dans mon engagement, donne-moi d'aller plus loin. Dans ma consécration, donne-moi d'aller plus loin, Seigneur. Tu m'emmènes une vie de transformation, de gloire en gloire, transformé de gloire en gloire, à l'image de Christ, à la ressemblance de Jésus. Donne-moi mon Dieu, d'aller plus loin avec toi. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. De gloire. De gloire tu m'emmènes, Jésus. Voilà, le temps nous presse. Nous avons encore des sujets. On va continuer la prière. Oui, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Il veut que nous allions plus loin. Et Paul disait dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, je lis pour vous, jusqu'au verset 14, Paul disait ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Voici un homme qui a appris à aller plus loin. Il avait un objectif. Il voulait saisir Christ. Il voulait remporter le prix de la vocation céleste. Nous allons prier, chers bien-aimés. Que Dieu nous donne de faire preuve de fermeté, d'être déterminé et de garder nos regards fixés sur notre objectif qui est Jésus. Aller plus loin, bien-aimé, en gardant les regards sur Jésus. Que rien ne nous détourne de Jésus. Que les circonstances actuelles, les quelques afflictions qu'on peut connaître, tout ce qui est comme momentané, tout ce qui est passager, ne soit pas l'objet, bien-aimé, de nous freiner dans cet élan. Mais que Dieu nous donne de demeurer ferme, d'être déterminé, de garder nos regards, de fixer le but de cette marche et de l'atteindre. Prions le Seigneur pour ce sujet. Prions ensemble le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu pour ta grâce. Oh Seigneur, merci. Merci de me donner de rester ferme avec toi. Ferme sur les convictions. Basé sur ta parole.
sur ta personne. Jésus, sur l'œuvre de la croix. Je veux être inébranlable. Je veux rester toi. Déterminé. Garder ce témoin. Pour me propulser en avant. Oubliant ce qui est en arrière. Et la tempête. Oh Seigneur. Donne-moi de résister. Donne-moi de courir encore. Et d'aller jusqu'à saisir Christ. De remporter le prix de la vocation céleste. Jésus. Mon Dieu, aide-moi. À ce que je faire. Quand viendront le vent et Jésus. La tempête. Alléluia. Donne-moi de résister. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Nous allons prier que Dieu nous donne de développer une mentalité de champion. Le champion ne s'arrête pas. Même s'il tombe, il se relève. Que Dieu nous donne cette mentalité de champion. Un champion ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas arrivé. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne de combattre tout ce qui est découragement. Dans ces temps les derniers, beaucoup d'enfants de Dieu ont baissé les bras. D'autres ont diminué leur ardeur. D'autres n'ont plus cet élan qui les animait dans le passé. Et à cause de toutes ces réalités. Mais nous allons prier que Dieu fasse de nous des champions. Que Dieu nous donne cette mentalité de champion. J'ai foi que Dieu fait de toi pendant ce temps de prière un champion. Et un champion ne rétrograde pas. Un champion ne démissionne pas. Un champion ne baisse pas les bras. Un champion, il va jusqu'au bout. Que Dieu nous donne d'être des jusqu'au boutistes. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Que Dieu te communique cette mentalité de guerrier, de champion, de celui qui va jusqu'au bout avec lui. Que rien ne t'arrête, que rien ne te décourage. Quand viendront le vent et la tempête, nous voulons avancer avec toi. Donne-moi de résister. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, mieux te connaître, mieux te servir. Donne-moi d'aller plus loin. Donne-moi d'aller plus loin dans mon ministère. Dans mon service chrétien, demande d'aller plus loin. Dans la prière, demande d'aller plus loin. Dans ma consécration, demande d'aller plus loin. Dans la vie de sainteté, de pureté, donne-moi d'aller plus loin. Dans la conquête des âmes, donne-moi, Seigneur, d'aller plus loin encore. Oh mon Dieu, merci. Je veux m'en Jésus, donne-moi d'aller plus loin dans ma communion avec toi. Donne-moi d'aller plus loin, Seigneur, pour faire ta volonté, pour marcher dans l'obéissance. Oui, Seigneur, toujours plus loin, toujours plus haut. Mon Dieu, donne-moi, je n'ai pas m'arrêter dans ma consécration, dans mon implication dans ton œuvre. Donne-moi d'aller plus loin, Seigneur. Et nous allons terminer. Nous allons vous donner trois exemples des personnes qui ont appris à aller plus loin. Nous avons Élie, dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 5, qui était fatigué, qui était épuisé, essoré, découragé. Il a commencé à demander la mort. Il disait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il était sur le point d'abandonner, de démissionner du ministère. Et Dieu lui envoie un ange. Et avec le repas qui lui a été donné, il a repris des forces. Et l'ange lui a dit, le chemin est encore long. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu nous renouvelle, nous communique de l'énergie pour aller plus loin avec lui. Parce que ce n'est pas le temps de s'arrêter, ce n'est pas le temps de démissionner. Il y en a qui veulent démissionner de leur ministère. Il y en a qui veulent démissionner de leur rôle. Il y en a qui veulent démissionner des attributs qu'on leur a accordés. On ne démissionne pas avec Dieu. On va jusqu'au bout quand on en est convaincu. Dans Juges chapitre 8, verset 4, nous avons un autre exemple de Gédéon et les soldats. Bien que fatigués, mais il est dit, ils poursuivaient toujours. Ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient. Oh, que Dieu nous donne un tel charisme pour continuer malgré la fatigue, malgré les aléas de la vie, malgré les oppositions, que Dieu nous donne d'aller encore plus loin.
Et je termine par ce troisième exemple. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 3, il est question de Saül. Saül est allé plus loin et la Bible nous dit qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu et il s'est mis à prophétiser. En allant plus loin, grandissons dans le contact avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous donne d'aller plus loin, bien-aimé, dans l'expérience de la manifestation de la puissance. Une onction grandissante. En une minute, bien-aimé, bénissons Dieu. Car j'ai foi que ces différents exemples, Dieu va nous fortifier. Dieu nous communique l'énergie nécessaire. Dieu nous donne le toucher particulier de son esprit pour aller plus loin avec lui. Que Dieu te donne d'aller plus loin. Que rien ne te freine. Que rien ne t'empêche. Que rien ne t'arrête, mais encore plus loin avec le Seigneur. Je ne sais pas, je ne sais pas comment marcher. Comment marcher? Amen. Prends ma main et conduis-moi. Voilà, qu'il en soit ici pour chacun, que le Seigneur nous donne d'aller plus loin avec lui. Que sa grâce vous soutienne, que sa force toute puissante vous accompagne et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.